Après avoir dominé le monde des frameworks, Symfony est moins choisi aujourd'hui pour de nouveaux projets, sauf pour ceux qui veulent une robustesse qui dure. Stable, fiable et beaucoup d'experts sur le marché, ça en fait une solution de choix. Mais alors, la robustesse vaut-elle encore plus que la vitesse ? Faut-il encore travailler avec Symfony et surtout, comment va-t-il évoluer ? Pour répondre à ces questions de Monolith, je ne reçois pas Ludwig von Beethoven, mais il s'y connaît en musique classique. Grégoire, bonjour. Bonjour.